Et salut à tous et à tous mes amis, c'est Devix et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre map aventure, la malédiction des 8 royaumes. Donc moi pour vous dire, cette map elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup et j'espère qu'on va réussir à la terminer. Hein. Et j'ai l'impression de laguer un tout petit peu. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas du tout. Ouais donc je suis vraiment désolé pour la map que j'ai postée. Bah l'épisode 1 parce que le début de la vidéo bug. Je sais pas comment ça se fait. Donc je m'en excuse. Et à l'épisode précédent, c'était arrêté ici. Donc on entre. On voit que c'est une bibliothèque. Alors prends le contenu de ce coffre, il te sera utile. Je crois qu'on en a déjà des jambières, non? Ah, un bateau. Livre et plume, ça nous sera utile ça. Une carte. Je rappelle que le lapis c'est la monnaie. Enfin je crois que c'est ça. Alors le livre. Je sais pas à quoi ça va nous servir. La carte. Nous on est où? Je sais pas où est-ce qu'on est sur la carte. On n'est pas la croix. Peut-être qu'on est la croix. Bon, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Redescendez pour continuer votre aventure. Ah, parce que je suis passé sur les dalles. Ok, donc on va lire. Retrouve les 7 blocs de diamants. Ton père t'ouvrira les portes de son royaume. C'est à ce moment précis que tu détruiras cette maladie. En premier, tu te dirigeras vers Sierra, le royaume des elfes, à l'est de mon repère. Des centaines de pauvres mineurs sont morts dans les caves d'Algar, mais ce que tu as éveillé n'est pas seulement une horde de monstres. La prophétie s'est bel et bien réalisée, tu as réveillé la cité interdite. Alors qu'est-ce que la cité interdite? Donc on redescend. Et oh. Ah ouais, ah pas mal. Pas mal du tout. Je pense que le bateau va nous servir pour maintenant. Donc sur la carte, ouais, on était sur la croix. Pff, je monte la carte du doigt sur mon écran, mais. Enfin voilà, quoi, je suis un peu bête. Donc normalement, on doit partir vers la droite. C'est-à-dire là-bas. Mais on va aller prendre le coffre. Par là-bas, il n'y a rien par là-bas. On va aller par là. Ah si. Ah si si, en fait on est en bas à droite de la croix, il y a une petite île. On doit être là. Ici, hein, si vous voyez pas, il y a une petite île au milieu d'un lac d'eau à moitié. Ça doit être ça. Que des bateaux, on va prendre en stock. Une cabane abandonnée, vous pourriez l'utiliser. Appuyez sur... Ouais bah c'est bon, c'est la nuit. Ouais ça c'est... C'est les commandes. Fermez, on va dormir. Il y a des monstres. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? Ah bah oui d'ailleurs, tiens le... Ah bah non, j'en avais pas. J'ai bien envie de mettre... Ouais, rien pour l'instant. Y a pas de monstre. Qu'est-ce qu'il nous raconte? À moins qu'il y en ait un sur le toit. Oh les coffres cachés. J'ai bien fait de faire un petit tour. Tu vas me laisser dormir, oui? Voilà. Hop. Hop, j'ai remis la nuit. Sans faire exprès. Il y avait un clip là-bas. Ok, donc par où on va aller? Je propose qu'on aille voir par là-bas s'il y a un passage. Non, il n'y a pas de passage. Ouf, il a du mal à tourner ce bateau. Donc on va aller tout de suite là-bas. La carte. Ouf. Oh, il va un peu trop vite. Moi, les bateaux, ça fait deux. Hein.
J'espère qu'un creeper va pas venir dans l'eau, parce que ça me ferait un peu chier qu'il explose. Oh, qu'est-ce que je disais? Il y a un creeper qui me pourchasse. Oh, c'est chaud à contrôler. Donc, je crois qu'on doit descendre ici en fait. Ouais, ici. Allez, gare-toi. Oh là là! Faut que je cours. Il y a du monde. Il y a du people. Et en plus, j'ai des lags. J'ai pas le droit de casser le sable. Et en plus, j'ai des lags. Faudrait pas qu'il pète le coffre. Une araignée bouffonne. Comment ça se fait que je lag comme ça? Parce que j'ai de la pub, ça me saoule, je comprends pas pourquoi j'ai de la pub. On va aller les buter. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'ai une épée. Ah non, elle est pas cheatée, mais elle est pas mal. Explose pas ici, toi. Oh, il a réussi à monter le fourbe. J'avais pas vu l'épée. Bon bah on a l'épée en bois. Hein. Vous aimez les défis? Monter cette colline. Ok. Là faut que je trouve un point pour... Voilà ici. J'ai pas d'accès là, faut que j'arrive à monter sur cette colline. En fait, c'est une sorte de mini labyrinthe. C'est papa. Récit, désolé. Tu sembles perdu. Vous pensez que je peux monter ça? Je crois que c'était de l'autre côté. Ouais, je crois bien que c'était de l'autre côté. Je sais pas si le vous semblez perdu était un piège. C'était par là-bas, on va aller faire un tour par là. On arrête ici. Ok, donc c'était là-bas. Je crois que vous pouvez monter sur les arbres. Sur les feuilles des arbres. Oh! Ok, faut que je joue. Faut que je me calme. Ah, donc comme vous pouvez voir, j'ai mis en vision courte. Vous savez qu'il fait pas très beau. C'est pour moi la game, mais je comprends pas. Je bug toujours. Ouais, c'est sûr, c'est là, mais... Je vois pas par où on pourrait passer. Ça marche pas si on saute là. Tu sembles perdu. Y aurait pas une feuille qui aurait... poussé là, c'est peut-être par les arbres qu'il faut monter, peut-être bien. Souvent jump et moi c'est le jump et moi ça fait deux hein. Vas-y, je suis nul. On va aller faire un tour par là. Essayer d'aller sur un arbre. Je pourrais que le creeper m'explose. À la goule.
Oh, il est énorme. Donc là, je m'éloigne énormément. Je crois que c'est une pancarte là-bas. Finalement, c'est peut-être par là. Je suis sûr, je m'éloigne de trop là, mais. J'étais bloqué. Je m'éloigne. Il n'y a pas de passage aussi. Bien sûr que là, je suis perdu. Je suis sûr que ça s'est fait exprès, c'est un barrage. Faut pas qu'on puisse passer de l'autre côté. Et j'ai bouffé toute ma, j'ai gaspillé toute ma nourriture. C'est pas là. Faut que j'arrête de courir, faut que je me calme. Est encore là, lui. Passage sous l'eau. Voilà, je suis perdu, je suis perdu. Donc nous, on est là sur le sur l'île déserte là, avec une avec du gris au milieu à la droite de la croix. Droite de la croix. Donc tiens, un passage par là. De l'eau, ça ne doit pas être par ici. Hey! Hey! Ils nous disent qu'on est dans la bonne direction vers Sierra. Je crois en fait que c'était pas possible de monter là. La colline pour l'instant. Je crois que c'était ça. Bon bah du coup on va. Et du coup je vais monter la. Voilà. Pour que ce soit plus simple à repérer l'île. Waouh! Waouh! C'est beau. Ok, donc il y a deux villes collées. C'est plutôt pas mal. Arrête-toi. Bienvenue à Sierra. Le bateau qui se barre tout seul. Bon, bah si ça lui chante. Bienvenue. Ouais, faut que j'arrive de courir. Faut que j'arrête de courir. On va faire un petit tour par là. Clairière du roi. Conseil de Sierra. Le bloc de diamant de Sierra. Utilisez la pioche seulement pour miner les blocs de diamant de chaque royaume. Yaradin. Le roi ainsi que ses 8 conseillers siègent la place. Avez-vous interrompu une séance? Nous vous attendions, prince d'Algar. Les rumeurs disent que vous êtes à la recherche de mon bloc. Je peux vous le donner à une seule condition. Allez dans la mine de mon royaume, trouvez les 8 minéraux d'or, puis donnez-les-moi. Je lui donne où? Il est drôle lui, je peux pas la péter la vitre. Bah si. On va aller quand même chercher les. On va quand même aller chercher les minéraux. Ouais.
Non, la mine, parce que ça me tracasse. De toute façon, on sait où qu'il est le. On va fermer. On sait où qu'il est le bloc. Et la mine, je pense qu'elle est par là-bas. Village, marché. Bienvenue dans la mine de Sierra. J'avais peut-être besoin de la pioche, non? Non, je pense pas. C'est le roi qui vous envoie. Parfait. Prenez le contenu du coffre et entrez dans la mine supérieure. Bonne chasse. Oh, ça c'est cool. On va tout de suite le mettre. Hop. Donc, ok, j'ai une pioche. Checkpoint à utiliser impérativement avant de partir. Checkpoint. Hop. Dans le four, il y a quoi? Un gâteau. Que je vais prendre avec moi. Appuyez pour mettre la nuit. Je regarde si je peux me craft quelque chose. Non. C'est parti. Rappel, vous ne pouvez miner que l'or et le charbon sans oublier la pierre moussue. Mustone. Que l'or et le charbon. Achetez une rose au marché et je vous l'échangerai contre le fer que j'ai trouvé hier. Ok, en fait, il y a plein de petites. J'ai complètement oublié de vous dire au début de la map aventure, il y a plein de petites quêtes secondaires en fait. Vermine inférieure, danger. Passage condamné. On va le lire. Vous voilà dans la mine de Sierra, mais il y a un petit problème. Le passage vers la mine inférieure est fermé. Trouvez et réparez le système d'ouverture de la porte et pénétrez dans la mine. Tournez la page une fois que la porte ouverte. Ok, tournez la page une fois la porte ouverte. Donc on va pas lire plus. Ça, je m'en occupe. Ce serait pas le passage par hasard. Les torches vous guident. Les torches vous guident. Il me faudrait une partie de ciseaux. Une paire de ciseaux pour enlever cela. Ça, je peux le casser qu'avec un ciseau et je pense qu'il faut mettre des torches de redstone ici pour ouvrir la porte. Ok. Vous reconnaissez ces briques? Trouvez de la pierre rouge dans le royaume de Sierra. Donc faut que je retourne dans le royaume. Matériel récupérable. Je prends les plumes. Le lingot, les plumes. Pour me faire des. Pour me faire un. Des flèches au cas où. Bon bah on retourne au royaume. Hein. On retourne au royaume. Et en même temps on va aller au marché acheter une rose. C'est pas trop cher. Marché. Boum. Coffre caché. Une pomme. Une route inutile. Ah, ça c'est un petit piège ça. Ça c'est un petit. C'est une pancarte qui va me faire. Qui va me faire me. Qui va me tracasser. Ça sent le coffre ici. Ah non. Ouais bah non. Ok. Chez Ol N la chimiste. La chimiste. Il y a des fioles. Je ne me tiens pas responsable de décès suite à l'ingurgitation de l'un de mes poisons. Ah ouais, c'est les lapis lazuli. J'ai des yeux d'araignée et des larmes de fantôme. J'ai pas besoin de potions. Ouais, l'alchimie, ça fait encore deux. Ah bah, je pense que c'est la nourriture.
fruits et champignons. Ouais, mais comment on paye? Boulangerie de... C'est gâteau, c'est... C'est cadeau ce gâteau. Pain, gâteau, biscuit. Non. Je veux une rose. Le poisson sera vous. Ouf, j'arrive pas à lire. Je crois qu'on peut les prendre, ça, non? Poisson sacré. Épuisé. Je crois qu'on peut les prendre, les lapis. Ah, c'est une récompense. Bon, bah, je les prends, alors. Poisson cru. Hé, humain, j'ai besoin de toi. Mon stock de poissons sacrés épuisé. Les villageois en demandent 20 au pêcher 3 dans la clairière. Je te récompenserai. Tu devrais facilement trouver une canne à pêche. Ok, donc c'était pas pour moi, ça. Hop. Ça avait l'air cool, les poissons sacrés. Armes et outils. Pioche en pierre. Je regarde toujours les fours et tout, si on peut toujours trouver des... Fleuriste! Fleur 3. J'en prends une, mais je crois qu'il faut déposer des lapis. Ouais, il faut les déposer, je crois. On va jouer le jeu, hein. On va jouer le jeu. Et qu'est-ce qu'il me fallait aussi? Il me fallait quoi aussi? Je m'en souviens plus. Là, je m'en souviens plus s'il me fallait. Fermer. Fermer. Bijouterie de fin. Montre. Oh, le riche. Ça représente une canne à pêche. Swag. Faut de la redstone que je dois chercher dans le royaume, je crois. C'est de la redstone dans le royaume, mais le royaume là, c'est le marché, là. On va se quitter là-dessus, hein. On ira dans le royaume au prochain épisode, je vous le jure. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne, likez nos vidéos, mettez-les en favori, faites ce que vous aimez. Suivez-nous. Allez, salut tout le monde, bye.